part du maillot jaune, le maillot le plus convoité, au détriment du Burkinabé Seydou Bamogo. Le lieu est emblématique pour ceux qui connaissent très bien la ville de Tinkodogo. Nous sommes devant le Haut Commissariat du Boulgou. Bonsoir à tous. Bienvenue donc au premier numéro de Vélozine. Quelques difficultés donc, nous allons recevoir Lassina Sawadogo pour décrypter un peu donc cette première étape longue de 139 km qui s'est courue ce matin entre la ville de Kouloubila et Tinkodogo. Bonsoir Lassina Sawadogo. Bonsoir Christelle, d'abri pareil. Dites-nous, vous faites une entrée de star. Ben écoutez, depuis ce matin, la RTB est la star de ce Tour du Faso 2017 pour la 30e édition. C'est tout à fait normal qu'on rentre comme ça aujourd'hui. Il aurait fallu que les Burkinabés gagnent pour que cette star mania là soit des plus glorieuses. Mais ce n'est pas grave, c'est peut-être nous avons encore 9 étapes, mais c'est la Côte d'Ivoire qui a marqué donc cette première étape. Oui, c'est la Côte d'Ivoire qui a marqué. Vous savez que les premières étapes dans le Tour du Faso sont des étapes de mise en jambe. Abou Sanogo de la Côte d'Ivoire a battu Seydou Bamogo sur la ligne d'arrivée ici à Tinkodogo. Je pense qu'il faut féliciter l'Ivoirien. On ne s'attendait pas du tout à lui, on s'attendait plutôt à Cissé. C'est une surprise, il y avait les Marocains également. Oui, puisque c'est une grosse surprise parce que lorsque nous commentions cette arrivée, on pensait plus aux Érythréens, on pensait plus aux Marocains et puis bien sûr à la Dream Team de l'équipe du Burkina Faso. Tout à fait. Aruna Ilboudo, ça n'en a rien été. C'est Abou Sanogo qui est sorti comme ça de nulle part pour remporter cette première étape. Mais je pense que c'est des bonnes guerres lorsqu'on regarde les écarts. Une seconde entre l'Ivoirien et le Burkinabé. Les écarts sont assez serrés. On a vu une belle équipe de l'Érythrée hein, qui a bien couru ce matin. Le Maroc aussi, Christelle. Je pense que dans l'ensemble, c'est une mise en bouche. C'est la mise en train de ce Tour du Faso. Rien, c'est une première étape. On a pu maintenant voir clair sur les forces des uns et des autres. Le reste sera encore plus intéressant. Et quel est votre pronostic après donc cette première étape? Difficile de pronostiquer après une première étape sur ce Tour du Faso. Hein. Pour les habitués de ce Tour, savent que le plus dur est à venir. C'est vrai que demain, on a seulement 95 km entre... C'est l'étape la plus courte. Oui, entre Garango et Zorgo, elle est très courte. Peut-être pour déjà ceux qui sont bien placés, c'est grappiller des points au niveau des sprints intermédiaires. Il y en a deux demain sur le parcours. Et puis essayer d'arriver en premier encore pour prendre quelques points de secondes de bonification. Pardon, j'y suis. Et puis, Christelle, lorsqu'on va aborder les longues étapes, par exemple Boussé Waïguia, Yarko Zignaré, on ferait un peu plus clair. Mais j'avoue que rien n'est encore joué. C'est une mise en jambe. Les choses sont maintenant claires. On connaît les forces en présence. On va maintenant attendre, observer pour voir quelles seront les équipes les plus en forme pour arriver dans la deuxième moitié de cette course à passer. La deuxième moitié, vous le savez, lorsqu'on abordera l'ouest du Burkina Faso. On doit s'excuser auprès de nos téléspectateurs parce que c'est un Vélozine au rabais que nous vous présentons ce soir dû à quelques soucis techniques. Mais nous pensons que pour le reste des autres étapes, nous allons vous présenter un Vélozine en bonne et due forme. Oui, Christelle, il faut le dire. Je pense que les téléspectateurs nous comprendront pour ce soir. Nous sommes dans un essai technologique hors norme pour la radiodiffusion télévision du Burkina. Ce midi, nous avons présenté l'arrivée en direct de Tinkodogo. C'est très important. Ce soir, nous avons prévu aussi de vous présenter un magazine qui devait animer Christelle Paré en direct de Tinkodogo ici en Vélozine. Vous l'avez dit au rabais, nous sommes certes en direct de Tinkodogo, mais nous n'avons pas les éléments pour vous passer pour ce soir. Ce n'est que partie remise, quelques réglages techniques. On est déjà content que vous nous recevez depuis Tinkodogo. Vous nous recevrez comme ça à Waïguia, pareil à Boromo, pareil à Bobo Dioulasso et à Kodougou. Je pense que c'est du pain béni pour l'ensemble des Burkinabés qui doivent être fiers de la télévision nationale. On va essayer lentement mais sûrement de continuer à progresser et être toujours au cœur des grands événements avec un clin d'œil particulier à la directrice générale, à la direction de la télévision, à la direction commerciale, à toute l'équipe de la radiodiffusion télévision qui a fait des efforts énormes pour que nous soyons là. Voilà donc, merci beaucoup Lassina Sawadogo. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis depuis la ville de Tinkodogo. Demain donc, nous serons du côté de Zorgo à partir donc de Garango. Merci à vous tous. Jérôme Tchenderbogo, nous vous remettons l'antenne pour la suite du sport avec le magazine des sports.
Christelle Dabré, Lassina Sawadogo et toute l'équipe de production à Tenkodogo. On vous retrouvera dans les prochains jours pour des numéros plus élaborés du magazine Vélozine. Cela dit, Koulibaly Tenkodogo, c'est le plat d'entrée servi aux 102 concurrents du 30e Tour cycliste international du Faso. Et l'histoire retiendra que c'est l'Ivoirien Abou Sanogo qui s'est imposé au sprint pour endosser la tunique jaune. Moment d'ambiance à travers les routes du Faso. Une occasion en or pour le président de l'Union nationale des supporters des étalons d'inviter les populations à s'approprier cette grande fête de la petite reine burkinabé. En football, le championnat national de football de première division a entamé cet après-midi, même sa deuxième journée au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. L'ASFB s'est remis de son faux pas lors de la première journée en dominant le Santos FC 2-0. Le programme complet de cette deuxième journée dans ce magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine des sports sur la chaîne au cœur des grands événements. L'éléphant de Côte d'Ivoire, Abou Sanogo, a barré très fort dans la savane de Tenkodogo. L'Ivoirien a franchi la ligne d'arrivée après 3h37min45s à la vitesse moyenne de 38 300 km/h. Il avait dans sa roue l'étalon Seydou Bamogo qui accuse une petite seconde de retard sur le leader. En plus du maillot jaune de meilleur au classement général au temps, Abou Sanogo endosse la tunique verte du meilleur au classement général au point. Ce samedi, pour le compte de la deuxième étape, la caravane va rallier Zorgo à partir de Garango sur 95 km. L'Union nationale des supporters des étalons mobilise ses troupes à travers le pays pour soutenir les étalons sur cette 30e édition du Tour international cycliste de Ouagadougou. Nous avons rencontré le président de l'UNSE, El Hadj Ablassé Yameogo, qui nous parle de l'organisation mise en place pour être toujours au rendez-vous. C'est dit les gens que le tour va passer, mais en tout cas on a lancé un message pour tous les présidents des régions et présidents provinciaux. Donc le premier étape matin, Union régionale de Tenkodogo, ils ont vraiment mobilisé, fait vraiment premier exemple pour les autres régions qui viennent. On a lancé le message vraiment tout le monde, tous les présidents des régions m'ont appelé, que vraiment le message est réussi. Ils ont pris même demain la province de Bouloubou, de Jorgo, le président des provinces m'a appelé, dit vraiment ils sont prêts pour l'attente de tour de demain. Bon, l'arrivée finale à Ouagadougou, bon, je crois que c'est Kidougou, Koudougou. On a préparé pour aller à Koudougou, retourner aller à Korosmodo pour venir à Ouagadougou. En tout cas, à 5h du matin, ce jour de finale de dimanche, en tout cas, notre animation sera arrivée pour l'attente de tout. D'accord. Et quel message vous avez pour les étalons cyclistes qui sont dans la compétition? Bon, vraiment, notre message, souvent, c'est pour vraiment les aider que les maillots jaunes soient le courrier de Burkina Faso. Et déjà aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté? Oui, aujourd'hui, Côte d'Ivoire qui a remporté, mais demain, ce sera Burkina Faso. Voilà donc, bon courage à Mathias Sorgo, champion cycliste AJSB 2017 et à tous ses coéquipiers. D'une course cycliste à une autre, Omar Saint-Poré a remporté la course cycliste pour personnes vivant avec un handicap visuel entre Touessé et Kombisiri mardi dernier. Le film de la compétition, c'est avec Alpha Ouattara. Permettre aux personnes vivant avec un handicap visuel de faire du vélo. C'est tout le sens de cette course cycliste à tandem. Maintenant, le tandem, c'est un bon vélo parce que ce vélo, ça permet à les deux personnes de pédaler. Ça veut dire que les aveugles, quelqu'un qui ne voit pas, et puis quelqu'un qui voit. Donc, ça veut dire que ce vélo est vraiment, très très bon. Et même fabrication, vraiment, c'est quand même un peu difficile. Une façon de permettre à cette frange de la population de participer à la fête du cyclisme au Faso. J'apprécie beaucoup cette activité parce que vraiment, quand je suis arrivé sur Nouvelle d'abord dans le département, et
ça m'a beaucoup touché de voir qu'il y a une structure pareille qui permet aux personnes handicapées, malvoyantes, de s'épanouir avec le soutien et l'accompagnement de la commune et des partenaires étrangers. 25 tandems ont pris le départ de Touissi pour allier les 25 km qui séparent cette localité de Kombisiri. Après quelques mètres de course, des problèmes mécaniques obligent 4 coureurs à abandonner. Les autres continuent l'aventure. À 15 km de Kombisiri, 8 cyclistes se détachent du peloton. À 2 km de la ligne d'arrivée, 2 tandems prennent la tête de la course. C'est au sprint que Omar Sempore s'impose après 51 minutes de course à une vitesse moyenne de 29 km/h. C'est tout naturellement que le vainqueur a exprimé sa joie. Satisfait-il du côté des organisateurs. Non, ça s'est très bien passé, je suis très content. L'organisation était top. Comme au départ, comme à l'arrivée, belle course. Et on le refera. Tous les participants à cette course ont été récompensés. Une enveloppe de 20 000 francs, plus des encouragements et d'applaudissements également. Voilà donc cyclisme, saut en longueur, course de vitesse, football. Ce sont là des disciplines sportives qui ont regroupé près de 300 athlètes spéciaux au stade Sangoulé-Lamizana du Bobo à la faveur des Jeux régionaux de l'Ouest organisés par Special Olympics Burkina Faso. C'était le 14 octobre dernier. Plus de détails avec Mahamadi Wena. Ces Jeux régionaux de l'Ouest ont regroupé des personnes vivant avec un handicap intellectuel venues de Nouna, de Dedougou, de Orodara, de Toussiana, de Banfora et de la ville haute Bobo Dioulasso pour des compétitions en athlétisme, au cyclisme et au football. Ils étaient une quarantaine de filles et garçons à prendre part à la course cycliste, une cinquantaine aux épreuves d'athlétisme et les autres se sont défiés au football unifié à 7. Le football unifié associant des joueurs spéciaux à des partenaires ayant toutes leurs facultés. Pour ces compétitions, ces activités de Bobo, nous attendions autour de 200-250 participants, mais nous pensons que nous sommes au-delà de 300. Donc ça ne peut être qu'un objectif atteint à plus de 100. Cette participation record est la preuve que les actions de sport et de santé attirent un nombre de plus en plus croissant d'athlètes vivant avec un handicap intellectuel. J'ai vu les compétitions, je suis également passé voir l'ensemble de la série de visites médicales. Alors ça donne vraiment beaucoup à réfléchir par rapport à l'importance, par rapport en tout cas à la qualité du travail que tous ces acteurs-là abattent au sein de Special Olympique. Special Olympique Burkina a saisi l'occasion des Jeux régionaux de l'Ouest pour former une cinquantaine d'entraîneurs de jeunes athlètes spéciaux. Outre les compétitions de sport, les athlètes spéciaux ont bénéficié d'un dépistage bucco-dentaire et de conseils en santé générale. Le championnat national de football de première division a entamé sa deuxième journée cet après-midi même à Bobo Dioulasso où l'ASFB a battu le Santos FC sur le score de 2-0. La suite de cette deuxième journée, c'est ce samedi encore à Bobo Dioulasso, mais aussi à Ouaga, à Saponé et à Banfora avec des affiches alléchantes. Un avant-goût des explications de cette deuxième manche dans ce commentaire signé Salifou Ouedraogo avec la voix de Lassina Sawadogo. Les attractions de cette deuxième journée auront sans doute lieu au stade du 4 août. Deux affiches, deux formations, les plus titrés du face au foot, la Sfaïniga et le Faux essayeront de lancer enfin leur saison ce samedi. En première heure, la vieille dame voudra bien dompter les tigres de Diaradougou. Après une déconvenue à Saponé le week-end dernier, les poulains de Malik Jabi croisent le Racing Club de Bobo Dioulasso, de Yaya Koné, de Diego Simone qui sortent d'une victoire 3-1 devant Bobo Sport. Coup d'envoi de cette opposition, 15h30. Après cette rencontre, s'en suivra l'affiche Efo Usfa en deuxième heure. Les finalistes de la dernière Coupe du Faso s'affrontent pour la deuxième fois après le 5 août 2017. L'étoile filante de Ouagadougou qui comptabilise deux trophées à la pré-saison a manqué le coche dès le début de la saison face à l'AS Sonabel.
En face, les militaires de Moussaoué Drago Mourinho viennent défier leur bourreau du 5 août après leur match nul contre Luzou. Et faux, USFA, c'est à partir de 15h30. Dans les autres oppositions, le champion du Burkina, le Rai Club du Kadougo, se déplace dans la ville sucrière pour stopper l'Union sportive de la Comoé. Et à 17h45, électriciens et rouges de l'Arlé vont se mesurer au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Les autres rencontres à l'affiche de cette deuxième journée, vous aurez Salitas Raimo FC au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, Majestic Bohosport à Saponé et Ajeb AS Police du côté du stade Wobi de Bobo. Toutes ces rencontres se jouent à 15h30. Ce samedi, à partir de 15h30, le stade régional de Kaya sera en effervescence à la faveur de la finale de la Coupe du maire de la commune de Kaya, notre ami Boukari Ouedrago, alias Bourki. Et sur ce même stade régional de Kaya, dimanche à 15h30, vous pourrez vivre le lancement de la Coupe du député Rasmane Daniel Sawadogo, parrain de la Super Coupe AGSB 2017. Il n'y a pas eu de match entre le BPS de Koudougou et l'USI de Waïguia lors de la première journée du championnat national de football de deuxième division le week-end dernier au stade Batchebo-Balibier. Et la cause, une crise paralyse le club nordiste depuis plusieurs mois déjà. Et pour désamorcer la tension, une mission conduite par le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Lassita Sangaré, s'est rendue dans la cité de Nabakango. Et sa médiation semble porter les fruits escomptés. Correspondant sur place, Irénée Kabore et Alex Zagré. La crise à l'Union sportive du Yatenga Izi relève désormais du passé. Après plusieurs semaines de tractations entre supporters, un consensus est enfin trouvé. Cette fois-ci, ils ont bien réussi. Ils ont réussi à mettre les deux camps d'accord. Ils ont paraffé sur un procès verbal d'accord pour faire un bureau unique et réunir l'équipe là afin qu'elle compétisse cette année. C'est le 23 octobre dernier qu'une mission d'urgence a été dépêchée par la Fédération burkinabé de football pour mettre cette affaire au clair. Sita Sangaré himself à la tête de cette mission. Après 2 heures d'entretien à huis clos, un compromis est trouvé. On connaît le président du bureau, c'est M. Barry. On connaît le secrétaire général, M. Siguedrago Seydou, brésilien. Donc ça, c'est les grandes lignes de l'accord auquel nous sommes parvenus. Et je pense que le reste, ça va aller très rapidement. Du côté des supporters, cette nouvelle est appréciée selon son camp. C'est surtout l'union qui prime. On a bien dit l'union sportive d'Yatenga. S'il n'y a pas l'union, on ne peut pas aller de l'avant. Donc je suis très content. Et avec la personne qui est devant pour tirer l'équipe, je pense et j'espère qu'il fera du bien pour l'équipe. Il faut aller vite à la sauvette pour espérer retrouver la D1 la saison prochaine. Dommage qu'on n'ait plus de retard. Et voilà pourquoi nous sommes en train de travailler pour d'arrache-pied pour avoir une bonne équipe afin de jouer les premiers rôles de la poule de l'Ouest. L'USI, c'est une grande équipe. Voilà, c'est vrai qu'ils sont tombés en deuxième division, mais il reste quand même une grande équipe au niveau de la Ligue Burkinabé. Et nous sommes là vraiment à porter notre petit savoir, notre petite expérience à cette équipe. Provisoirement en bas du tableau, l'USI se lance dimanche à 15h contre le club Bafouji, comptant pour la deuxième journée de 2-2 de la zone B. Deux tournois dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou samedi dernier. L'équipe de l'Office national d'identification ONI a remporté le tournoi inter-service 1-0 devant le club étrier, alors que Inch'Allah a dû attendre l'épreuve des tirs au but pour s'offrir la 6e édition de la Coupe de la Fraternité devant la vieille dame. Le résumé des deux finales avec Oscar Soulama, Samira Sana et Mahamadi Wena. Un trophée pour deux équipes ambitieuses, un face-à-face pour offrir du régal aux habitants de l'arrondissement 5 de Ouagadougou. C'est tout l'enjeu de ce tournoi maracana de la fraternité qui oppose en finale la vieille dame contre Inch'Allah FC. La première période est dominée par la vieille dame, mais elle n'arrive pas à ouvrir le score jusqu'à la mi-temps. À la reprise, les deux équipes sont au coude à coude jusqu'à la fin du temps réglementaire. Recours donc au tir au but, la vieille dame remporte le tournoi sur un tir réussi contre 0. Une épreuve dans l'épreuve, cette fois-ci, c'est au tour des différentes services de démontrer leur talent en football. Pour cette édition, c'est le club étrier et l'Office national de l'identification qui vont s'affronter.
L'ONI remporte le match sur le score d'un but à zéro. C'est avec plaisir cette année qu'on s'est encore retrouvés pour en tout cas réunir la jeunesse au sein d'un thème, au sein d'une activité, pour les occuper sainement. Sainement parce que une jeunesse qui est oisive peut se donner à beaucoup de choses. Et le Maracan le permet en tout cas de se fraterniser. La jeunesse est l'avenir, la jeunesse est le défi. La jeunesse, si vous voulez, c'est le fondement et la base de la société. Voilà, donc nous devons déployer tous les efforts qui peuvent être les nôtres pour apporter notre soutien permanent et constant à cette jeunesse. Il y a intérêt à ce que on revienne aux règles de civisme, aux règles de la vie en société, que chaque individu fasse des efforts, mais il faut que les jeunesses, chaque jeune, chaque membre de la population individuellement s'investisse. Au palmarès, les deux équipes finalistes gagnent chacun un ballon, un jeu de maillot et la somme de 100 000 francs. Quant au vainqueur, il se taille la part du lion. Deux ballons, un jeu de maillot, la somme de 150 000 francs et le trophée chacun. Le ministre des Sports et des Loisirs, le docteur Tayrou Bangré, a présidé samedi dernier à Bobo-Dioula sur la deuxième édition du tournoi de la Renaissance. Un tournoi remporté par l'ASFB Junior devant FC Oué à l'épreuve des tirs au but. Issouf Zerbo et Rachid Sawadogo vous en disent plus. Pour la deuxième fois, le tournoi Maracana de la Renaissance a tenu toutes ses promesses. 32 équipes au départ. C'est l'ASFB Junior et FC Oué en bleu qui se hissent en finale. Dès l'entame, le FC Oué contrôle le jeu. Il accentue les offensives. Les Blancs répliquent par quelques actions sporadiques. La mi-temps intervient sur le score de 0-4. À la reprise, FC Oué reprend du poil de la bête avec cette occasion. L'ASFB Junior réagit et le match devient très engagé. Mais aucun but ne sera marqué. C'est au tir au but que les deux équipes se départagent. Dans cet exercice, les Blancs de l'ASFB Junior se montrent plus adroits. Ils remportent la partie avec 4 buts contre 2 pour SOE. On a écouté le coaching des coachs. Et puis ce qu'on devait faire, on a défendu un peu. Comme l'équipe est plus en jambes que nous, nous on ne s'entraîne pas assez. C'est pour cela qu'on a été dominé sur le terrain. Vu la mobilisation en tout cas qu'il y a autour de l'événement, c'est ce que l'on recherche. Arriver vraiment à donner de la joie aux populations et plus particulièrement à la jeunesse. C'est vraiment une très grande satisfaction, c'est une très grande joie pour nous. Pour les organisateurs, ce tournoi peut être une aubaine pour la relance économique et le renforcement du tissu social. Aujourd'hui, nous voyons qu'à travers le sport, il y a un grand changement et il y a un grand avantage pour le développement. Et également, le renforcement du tissu social. Au titre des récompenses, l'équipe classée 3e, la Sarfalao, repart avec 50 000 francs et des équipements sportifs. FC Oué, finaliste malheureux, se console avec la somme de 125 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. L'ASFB Junior gagne les mêmes gardiens et en plus remporte le trophée et la somme de 250 000 francs CFA. À Fada, la Super Coupe de l'Est était à sa première édition. La finale a opposé Capitole FC à Brésil FC et a tourné à l'avantage de Brésil FC sur le score de 3 buts à 1. Une finale que nous racontent Aimé Douamba et Mahamadi Ouedraogo. Cette finale de la Super Coupe Maracanan de Fada Nguruma oppose l'équipe du Capitole FC en bleu à celle du Brésil FC en rouge. Les Bleus ont été accueillis à froid en encaissant le premier but dès la 42e seconde du jeu. Dépassés par la technique, la vitesse et l'engagement des Brésiliens, les joueurs du Capitole subissent et encaissent un deuxième but à la 5e minute grâce à ce coup de tête de Adamu Traoré. Le même Adamu Traoré profite de l'apathie de la défense adverse et offre le break de 3-0 à son équipe juste avant la pause. Nous avons plusieurs équipes qui sont en Détroit. Ça fait longtemps que nous végétons en division inférieure. Pour une grande région comme celle de l'Est, nous devons nous donner la main, nous devons s'unir pour pouvoir au moins avoir une seule équipe, ne serait-ce qu'une seule équipe en première division. Donc nous cherchons à nous unir pour relever ce défi. Au retour des vestiaires, les Brésiliens reculent petit à petit et laissent la possession du cuir aux joueurs du Capitole. Dans la foulée,
Jules Darankoum réduit le score à quelques minutes de la fin du match. Score final, 3-1 en faveur des Rouges. Nous avons remporté cette coupe, nous sommes d'abord très heureux et nous pensons que, en plus d'avoir remporté cette coupe, la jeunesse a été remise. Je pense que l'objectif a été atteint. Je ne fais qu'applaudir depuis le départ jusqu'à la fin. Nous nous réjouissons en tant qu'élus consulaires de voir qu'il y a des initiatives de la part du promoteur en matière de football qui réunit la jeunesse aujourd'hui que nous avons besoin. Nous invitons les filles et fils de Goulmou à emboîter le pas. Cette compétition a réuni 12 équipes de la province du Gourmand qui ont joué les derniers carrés des différents tournois de football organisés à Fadan Gourmand cette année. Ce samedi, la deuxième étape du 30e tour international cycliste du Faso se dispute entre Garango et Zorgo sur 95 km. Vous aurez votre premier numéro de Vélozine en bonne et due forme demain, donc samedi à partir de 21h. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.